Salut, c'est Kali, bienvenue sur ma chaîne. Je suis à Abidjan et on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup mes vlogs quand je suis à Abidjan. Du coup, there you go. C'est Tabaski, on va fêter en famille, on va manger et je vais vous vlogger tout ça. Jeudi, j'ai fait un effort, je me suis make-up un peu, je voulais être cute. Let's go. Comment ça s'est fini? Il y a une compagnonne, elle a tout même me laissé sans sorcier. Je vais racheter une autre viande, parce que c'est sûr que les gens la bâtissent pour un truc. À chacun sa viande. Chacun son viande. C'est une vidéo. Deuxième jour de vlog. En fait, j'ai pas filmé dimanche. Je suis juste partie à l'église et après, je me suis reposée. Ce matin, je me suis réveillée à 7h parce que j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Et je vous emmène avec moi. On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais voir l'esthéticienne. Après, je vais voir au cours de la journée ce que je peux faire. Le vlog sera un peu coupé comme ça. Je vais filmer quand je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Je vais vous filmer juste les journées où je dors. Ou bien, je sais pas. Donc voilà. On se suit. Franchement, il faut qu'on arrange ce visage-là. On a vraiment besoin d'aller chez l'esthéticienne, genre. Elle m'a trop manqué. Fini, de toute façon mon visage brille et bien boursouflé comme il faut. En fait, très très boursouflé le visage. Il est venu voir le gars avec sa tête là. Il dit qu'il veut manger, il veut boire café. Depuis on marche, on voit pas le kiosque. Il dit pas à l'aise, hein. Ma grosse robe orange. En plus, j'ai faim. Un traître comme ça, il arrive, il a mangé pour me laisser. Et puis il dit moi de sourire à lui. Bon, de vous à moi. Et si je dois sourire à quelqu'un qui mange pour me laisser, alors que je sais que j'arrive. Il est bon à taper, en fait. Tu vois, on a dépassé la voiture là. On est censé arriver. Et il me fait marcher. Point de kiosque, on arrive. Point de kiosque. Les frasques. Tu sais quoi? Il a fermé. Tu dis quoi? Il y a un voiture, pardon. Tout le monde sur YouTube va savoir que tu me maltraites. Ouais, fin, tu m'envoies dans les coins confirmés. Tout ça parce qu'il dit au bois café. Café du kiosque. Bon, je suis rentrée à la maison. Oui, j'en ai ma perruque. Désolée, c'est mon premier réflexe quand il arrive chez moi. Il faut que je fasse un tri dans mes affaires parce que en vrai, je me suis rendu compte que mon placard est plein pour des vêtements que je ne porte pas si souvent que ça, vu que je suis toujours entre plusieurs maisons maintenant. Du coup, bah, je vais essayer de faire un tri de vêtements. Peut-être que je vais faire genre un vide dressing et tout. Je sais pas comment je vais organiser ça. Je pense en ligne et tout. Mais ouais, il faut que je trie mes habits. Il y a ma valise qui est défaite, mais j'ai pas encore rangé mes habits avec lesquels je suis venue. Ça y est, encore là, il y a mon placard qui est rond. Vraiment. Ma chambre est mélangée, mais on n'en parle pas. Mais bon, flemme, tu connais, je suis couchée là. C'est même plus le dernier jour qu'on a filmé, c'était quand? Je pense que c'était lundi ou mardi. Aujourd'hui, on est jeudi. Je sors de chez moi. Je m'en vais. Je dois partir chez le couturier déposer mon habit parce qu'il y a le mariage de ma copine. Et donc, il faut que je m'habille. Ensuite, je vais partir
récupérer des colis. Il y a les colis pour ma boutique, les commandes des clientes qui sont arrivées. Je vais partir récupérer. Comme ça, je vais faire le point ce soir. Et puis demain, on va les livrer. Du coup, c'est ça. Il n'y a pas de voiture dans la maison. J'habite très loin de Benjamin au fond. Je suis en train de marcher pour aller sur le goudron pour essayer d'avoir un taxi ou un Warren ou je sais pas quoi. Je sais pas trop comment ça va se passer. Parce que je veux commander Yongo aujourd'hui. On dit que non. Yongo, il n'y a aucun Yongo disponible. Ah, c'est tout. What? Guys, il est midi. Déjà, le livreur devait venir récupérer mes colis ce matin. Il a eu une panne. Donc, il est midi. Il n'est toujours pas venu. Moi, je sors. Taxi! Ouh! Voici taxi. La chose d'air et taxi. Vraiment, ça c'est une chance sur mille. Donc, je suis partie de couturier, j'ai oublié de filmer. Mais là, je suis venue chercher mon gros bras. Pourquoi pas chercher les bagages? Il faut que je vais gâter. Parce qu'il ne peut pas soulever les bagages. Du coup, j'ai fait une petite gâter. Ah, c'est des kilos! Les bagages des gens, mon Louba préféré est venu m'aider à soulever mes bagages. Bon, là, je suis arrivée à la maison. Il faut que je fasse le point de tout et que je dispatche les affaires de chacun. Parce que pour vérifier, on a enlevé dans les sachets. Du coup, là, je vérifie, je fais les paquets et je remets tout dans les sachets de Chine. Comme ça, voilà, travail encore. Let's go. Just to say how much you mean to me. What would you do if I told you you were beautiful? C'est la fin de cette journée. Je vais m'appeler. Je suis fatiguée. Il fait chaud. Je vais partir faire les paquets. Je dois aussi faire des photos pour ma deuxième boutique en ligne, Beauty Box, pour préparer le nouvel arrivage et tout. Les photos des kits. J'ai commencé les photos ce matin. J'ai pas fini. Du coup, je vais partir faire les photos. Après, je vais me laver, préparer la livraison pour demain et puis dormir. Du coup, bisous. Je pense qu'on va se voir demain. Je pense que je vais filmer demain si je me rappelle. Un vlog vraiment éclatant. Ça va venir le temps. Je vais devenir une bonne vlogueuse. Et voilà. Une fois, j'ai filmé deux jours de suite. Bon, il est genre 13h. Il est 14h. Mèche ma copine. Elle a fait pas confus. On s'en va manger. Mèche ma copine. Et puis, le soir. Je sais pas encore, aujourd'hui c'est vendredi, je sais pas encore, et c'est le voici, je peux aller, genre la rue m'appelle en fait, ça fait une semaine que je suis là, je suis pas encore sortie, la rue m'appelle, la nuit m'appelle, donc je vais voir ce que je peux faire, et je vous emmène avec moi. Aujourd'hui là j'ai pas, en fait je suis déjà en retard, j'ai pas le temps de prendre soin de ma belle, du coup j'ai attaché un bandeau comme ça, et puis je m'en vais, oui. Bon, let's go. Je suis arrivée où je m'a donné mon dollar pour boire. Et puis elle dit qu'elle va crier à le con, on va manger. Là, ma fille, elle qui va me nourrir. Tu me vois ton visage, ok. Quand il se reste là, il ne faut pas te dire que je suis ma camarade. Ok. Elle veut pas montrer son visage. Quand il se reste là, je vous dis que celle-là, je la connais. Depuis 3e, c'est ma copine. Bon, faut pas te pingue. Faut bien regarder. Okay. Si tu n'as pas bien filmé, tu ne manges pas. Qui est? La personne qui filme. Faut envoyer ton caméra avec tu gars ici. Tu gars ici. La voix de juste. Merci. C'est à vous. Oui. Oui, tu peux entrer, bébé. Entre pas. Qu'est-ce qu'il fait, mes choses? Je me maquille. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es bien lavé? Oui. Qu'est-ce que t'as lavé? Oui, tu as lavé. Tu as lavé. Tu as oublié. Oui, tu as lavé.
Bon, là je suis prête et je suis grave en retard. Ils viennent de m'appeler, me demander où je suis. Ouh. Les gens minuit passent, on a un rendez-vous à 22h. Laisse tomber le retard de malade. J'ai trop de choses à gérer. Bref, je suis prête. J'espère que quand ils vont me voir, qu'ils seraient toutes cute là. Il se met que sera glacé, sinon je suis foutue. Ça, je compte. Quand on a mangé tout ce qui s'est servi, sinon le reste on va mettre au four. Vous allez manger à 16h. Vous allez manger ça à 16h. Bonjour, il est 7h du matin. Il est 7h du matin, on doit retourner à Abidjan aujourd'hui. Mais comme qui a vu voir les falaises de Brombo, elle aujourd'hui s'est réveillée super tôt pour bâtir pendant que sa maman fait la grâce matinée un peu. Je ne suis même pas encore prête. Il y a même marqué dans ma voiture. Je ne sais pas ce que ça a donné. On croit de quoi. Je me suis maquillée dans la voiture, c'était chaud. Hier, comment? On est arrivé aux falaises. Avant d'arriver, on a dû d'abord passer par le chef de village et tout, demander la permission, verser un droit d'entrée. Du coup, il faut préparer ça si vous venez. Mais c'est grave mignon, il y a un petit soleil là qui se reflète sur mon teint là. Franchement, je me suis maquillée dans la voiture. Dans une route pas goudronnée en fait. Du coup, shout out to this makeup.